Bonjour à tous et à toutes. Donc cette vidéo pour parler des ventes de voitures électriques. On est au mois d'octobre, mi-octobre quasiment, et donc il y a des chiffres qui tombent, hein. Les chiffres officiels bien sûr, c'est pas les chiffres des constructeurs ou autres, hein, tout est groupé. Alors en France, ça se confirme, hein, l'envolée de l'électrique bien entendu. L'hybride rechargeable fait un score inférieur, c'est tellement cher et pas vraiment intéressant, ça, ce sont pour les entreprises. Alors c'est donc maintenant plus de 200 000 voitures électriques qui roulent en France, 200 000. Il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup, il faut bien comprendre que ces chiffres là par rapport à l'année dernière, c'est énorme par rapport à ce qu'il y avait. Et l'année prochaine, ce sera encore beaucoup plus. C'est une évidence, bien entendu. Bah oui, ça coule de source. Hein. Même les entreprises, hein, les artisans roulent en électrique, hein, maintenant, de plus en plus. Hein. Bah, ils y trouvent leur compte. Hein. Donc la Peugeot E208... sortira que début d'année prochaine, puisque Peugeot bloque les ventes. Ah ouais, il n'y a pas que Peugeot, hein. C'est tout. Beaucoup de constructeurs qui bloquent les ventes, sauf Renault, qui bloque pas sa Zoé, bien entendu. Alors c'est une envolée des commandes de la Peugeot. Peugeot a été surpris du nombre de commandes. C'est quasiment un quart des 208 à venir. C'est-à-dire que sur les thermiques, vous retirez 25%, c'est l'électrique. Donc 25% d'un volume de thermique, ça fait beaucoup sur des... Parce que la 208, c'est quand même... Comme la Clio, ce sont des grosses quantités de voitures. Hein. C'est de la petite voiture, c'est de la citadine routière, de toute façon. Maintenant, les voitures, on peut dire que toutes... Hein, elles sont capables de faire de la route, il n'y a pas de problème, c'est suffisamment confortable. Et l'électrique étant beaucoup plus... Voilà, donc je prends la route toujours habituelle. Un vent qui décoiffe. Il a tombé un peu d'eau, mais bon, c'est pas extraordinaire, hein, par rapport à d'autres régions. Plus à l'ouest, ici dans l'est, on n'est vraiment pas gâté. Alors, je pensais aux agriculteurs qui ont manifesté, parce que je parle de tout sur cette chaîne, comme vous savez. Et c'est vrai que dans la ville de Troyes, il y a eu des blocages de rocades carrément, hein, avec des tracteurs. Et, tracteurs qui venaient du coin, hein, de partout. Ils vont manifester dans les villes, bien sûr. Et ils manifestent parce qu'il y a des problèmes liés à la sécheresse. Mais la sécheresse, est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Oui, bien sûr, parce qu'on sait de quoi ça vient. Le bouleversement climatique a été provoqué par l'excédent de CO2. Et le CO2 vient principalement de l'automobile, hein, la voiture thermique. Alors si on veut arranger les choses, il faut arrêter de... Il faut changer de fusil d'épaule. Soit on est statique, on bouge pas. Il peut y avoir du vent, des montées, des descentes. Toujours 84, c'est 84. Régulateur de vitesse ultra précis sur la Zoé. L'avantage d'avoir des chiffres, des gros chiffres, on sait exactement ce qu'on en est. Le système à aiguille, ça c'est complètement dépassé. Quand on passe sur un véhicule équipé d'un compteur à aiguille, un compteur de vitesse, on sait plus trop ce qu'on en est. C'est vrai, hein. L'épaisseur de l'aiguille plus la finesse de l'affichage, ça facilite pas les choses. Que là, bon, c'est quand même un plus. C'était une parenthèse. Alors j'étais surpris par l'autonomie de la voiture de Zoé 40. La Zoé 40 avec moteur R75, moteur Renault, puisqu'il atteint plus de 370 km. Et bon, alors qu'il fait de la route.
Et de la ville, bien sûr, hein, c'est un peu comme ce que je fais. Enfin, moi, je fais beaucoup plus de routes que de villes, ça c'est certain. Mais bon, c'est rassurant, hein, vous voyez, avec une conduite tout à fait standard, on atteint vraiment des sacrées autonomies avec le moteur Renault. Un peu moins que le moteur Continental. Sa consommation est de 12,4. Ça, c'est ce sont des chiffres que. Une manière de voir la consommation d'une voiture électrique qui n'a rien à voir avec la voiture thermique. En voiture thermique, on parle en litres. Là, c'est en kilowatts. Donc 12,4, c'est excellent. Moi, j'en suis à 12,9. Ça remonte un peu. Alors, puisque je mets un peu de chauffage, donc j'en ai pas mis. Là. J'ai tout coupé, et du soleil, ça chauffe, c'est bon. Dehors, il fait 13 degrés. Ça équivaut, par rapport au thermique, un bon litre. Voilà. Un bon litre d'essence aux 100 km. Alors chez Volkswagen, il se dirait que le kilowatt de batterie, parce que le coût d'une voiture électrique, c'est lié à la batterie, vous le savez, ça coûte très cher. Et Volkswagen serait descendu, c'est pas officiel, mais serait descendu à 100 euros le kilowatt de batterie. C'est-à-dire qu'une batterie qui fait 10 kilowatts, ça fait 1000 euros. Multiplié par 5, 5000 euros pour 50 kilowatts. Aïe, alors, dis donc, du coup, la voiture électrique reviendrait au même coût qu'un véhicule thermique. Voilà. Alors, c'est le PDG de Volkswagen qui a dit à un journaliste, hein, il n'a pas contredit les chiffres. Il a dit simplement que Volkswagen allait lancer maintenant l'électrique grand public, accessible à tout le monde. Alors, est-ce que c'est l'idée 3? Je suppose que oui. Alors, parce que l'investissement sur ce modèle-là, rien que sur ce modèle-là, ça se compte en milliards, hein, en milliards d'euros. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Alors, en Europe maintenant, en France, en Allemagne, il y a des usines de fabrication de batteries qui sont en train de se construire. De recyclage de batteries aussi. C'est-à-dire que, comme je vous avais dit, l'Europe sera auto-suffisante au niveau des matériaux. Ça, c'est vraiment impressionnant. Les entreprises qui se sont mises ensemble, hein, tellement c'est colossal comme investissement, il faut que ce soit des marques automobiles, qu'il faut que ce soit des laboratoires de recherche qui se groupent en une seule entité, qui a un seul nom. Et donc la récupération des batteries en France, ça sera fait par une telle entreprise, en Italie par telle autre. Mais le résultat final, ça arrivera à l'usine mère, à l'entreprise mère plutôt. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc les batteries recyclées, remises en circulation pour les voitures électriques, les matériaux venant des batteries repartiront dans les batteries. En fin de compte, le taux de recyclage des batteries de voitures électriques est supérieur aux piles classiques, aux piles alcalines que l'on connaît. Donc là, le problème de pollution et autres, c'est terminé. On fait une croix dessus, c'est bon, c'est rassurant. Ce qui est bien sur la nouvelle Zoé, ils ont conservé leur système, c'est un détail, mais bon, le cache qu'il y a devant le logo, derrière le logo plutôt, qui donne accès aux prises, ils ont conservé leur système de fermeture à clapet,
solidement fixé avec des charnières. Il y a juste à mettre un petit coup de téflon, par exemple, et puis une fois par an, ou deux fois par an, puis voilà, c'est bon, ça grippe pas. Et c'est beaucoup plus efficace et solide que le système à ficelle, hein, j'appelle ça une ficelle. Il y a le cabochon, après les voitures des marques concurrentes, par exemple, la plupart, c'est des cabochons avec un tout petit lien en plastique. Ça, je trouve ça un peu léger quand même pour des voitures qui coûtent très cher, de faire des économies de bout de chandelle comme ça. Bah, une prise de ce type-là, ça mérite un bouchon vraiment solide et solidement fixé. C'est un détail, mais bon, ça a son importance quand même, je trouve. Sinon, bah, si vous le perdez, il faut une imprimante 3D, puis imprimer le cabochon. Alors, je vais faire une vidéo sur une rue, un quartier de Châlons-en-Champagne qui a fait poser des panneaux solaires au niveau du sol. Il est gros, lui, de la paille. Hein. Ouais, ça roule beaucoup, là, dis donc. Incroyable. Alors, la route, la fameuse rue, enfin, vous verrez bien sur la vidéo, j'ai attrapé l'article en vol. Je m'étais intéressé à la question quand Ségolène Royal avait inauguré en grande pompe des kilomètres, une sacrée longueur quand même, hein, de route posée par l'entreprise Cola. Bon, il y en a qui craignent. Et en fin de compte, ça s'est pas... Ça monte un petit peu. Ça s'est pas concrétisé complètement. Cette route-là, il paraîtrait que les voitures électriques, c'est... Oh, zut. Ça écraserait. Et du frein, hein. Oh là. Ça freine fort, ça. Je regarde toujours derrière si l'autre n'est pas surpris, parce que... L'autre personne qui suit, parce qu'il y a... Hein. Et on sent bien que c'est les freins arrière, c'est les tambours, ils ont un mordant, mais c'est impressionnant. Ouais, ce que je voulais dire, du coup, bah, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Les chats. Bah oui, les chats, ils nous entendent pas. Ça, c'est la meilleure. Ils sont tellement habitués aux voitures thermiques, ils disent, tiens, je fais pas de bruit, c'est là, il n'y a pas de danger. Ils traversent. Ça m'est arrivé, il y a une de mes vidéos, il y a un chat suicidaire. Bah, j'ai freiné pile, hein. Ah bah j'ai appuyé sur le frein, pas trop fort, hein, y a pas besoin. Hein. Ça pile. Sans bruit. Donc les chats, apparemment, ils aiment pas trop. Excusez-moi. Oh, tiens. Ah. Oh, s'il y avait un oreiller dans cette voiture, je dormirais. Hein. C'est impressionnant comment ça peut être. Ça détend complètement cette voiture là. C'est, j'avais pas envie de bâiller chez moi, mais là, ils ont oublié d'éteindre le feu. Ah non, il éteint le feu. Ça fait longtemps qu'il est éteint. Bon. Peut-être oublier quelque chose. On va voir si les chats s'en mêlent. Et puis ils parlent pas des tourterelles, parce que les tourterelles c'est pareil. À tout ce qui est volatile, qui se pose au sol, les moineaux, c'est pareil, ça ne nous entend pas arriver. Ils sont pas encore habitués. Ça va venir. Il commence à y avoir pas mal de chauffeurs de taxi qui s'équipent en électrique. Hybride rechargeable, pour eux, c'est pas intéressant, c'est beaucoup trop long à recharger, vu le peu d'autonomie qu'il y a. Mais ils passent directement sur l'électrique. Maintenant, ils ont le choix. Hein. Ils ont la Niro, la Kona et même Tesla. Hein. Que les Tesla sont pas excessivement chers. Tesla Model 3, vous avez un peu plus de 40 000 euros. Voilà. Moi, je dirais que la voiture électrique, elle vous vide le stress. Un peu comme un centre de relaxation. Pas de bruit particulier, juste la suspension, elle n'est pas inconfortable, loin de là. C'est tranquille, relax. On va être déclaré. Je vais dire une bêtise, mais bon, ça change. La voiture électrique, elle devrait être déclarée d'utilité publique. Voilà. Point de vue santé humaine, point de vue stress,
Ah oui. Ah ben, ça peut faire sourire ou rire, mais bon. Ceux qui en ont une savent bien de quoi je parle. Hein.